Salut, c'est Brian Connis et bienvenue dans Watch Dogs. Aujourd'hui, je pirate ce bonhomme là. Putain, voilà. Et on repart, c'est parti. Donc, j'avais dit aujourd'hui Tour City OS, histoire de débloquer un peu tout le merdier. En espérant que je vais pas me faire pirater encore la tronche. D'ailleurs, attends, je vais préparer une meilleure mitraillette que ça. Fusil d'assaut automatique. Ouais, ça va bien ça. Voilà. Non, ça a même pas ouvert la porte. Donc là, ça part là, et ça va là-haut. Donc, dire que... Ah, mais attends, ça se trouve, c'est derrière. Une caméra ou un truc comme ça, là? Non. Je sais pas où il faut aller. Non, ça a pas l'air d'être ça. J'imagine qu'il doit y avoir un truc là, mais pas une caméra ou... Ça a pas l'air. Je tourne en rond. Je tourne en rond dès ce début d'épisode, mais c'est pas grave. Allez. Ouais, bah, je pense que ça doit pas être par là qu'il faut aller. Peut-être se servir des caméras, tout simplement. Ah, celle-là. Là. Voilà. Par ici. Allez, on se dépêche. Oulala. Allez, 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 allez. Bouge ton gros cul. C'est ma voiture qui fait chier. Allez, première tour, désactivée. Voilà, comme ça, je débloque toutes les petites quêtes annexes, machin, que moi je ferai de mon côté. Ou j'en ferai un petit peu avec vous, vite fait, mais... Vu que ça risque d'être répétitif en vidéo, je préfère le faire de côté, quoi. Descendre. C'est bon, là je pourrais pas me péter la jambe. Voilà. Alors, suivante, elle est juste à côté de la mission. On va faire celle-là et puis après on fera la mission. Parce que j'ai dit que je faisais au moins la. Hop, la compound. Pierre piratée. 2180 euros. Enfin, dollars. Allez, cette partie. Un peu chiante à contrôler, elle, mais c'est pas grave. Pardon. Je les ai pas blessés, j'ai eu de la chance. Tu dépêches. Vous remarquerez que je fais jamais les magasins. Hein. Je disais, là, je viens de passer à côté d'une pharmacie, mais si on fait 2-3 quêtes en même temps, ça évite d'y aller au magasin. Donc les sous, on les garde toujours un peu. La merde, t'es là, je suis con. Ça te dirait un trip numérique. Il va me le dire, j'aime bien. Ça branche un trip numérique. Voilà. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. C'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse d'autres, j'avais dit que j'en ferais d'autres, mais bon, pour l'instant, j'ai pas le goût. Là, pour l'instant, j'ai bien envie d'avancer dans la quête principale. Je me sens vachement mieux. Alors, ouais, je vois le principe, mais. Ouais, j'aime bien. Alors, il doit y avoir un truc pour monter quelque part. D'ailleurs, un truc pour monter quelque part et je l'ai pas vu. Ah,
Bon, bah j'ai fait un petit tour gratuit, hein. Et voilà. Bon, ça doit être vraiment de ce côté, je pense. J'ai déverrouillé un truc par là, mais... Ah, il y en a un qui est important là. Je m'éloigne un peu trop. Ça te dirait un trip numérique? Oui. Ouais, mais là je vois vraiment pas par où je dois passer. Ah. Ça y est, je vois. Je vois. Allez, allez, accélère. Il y a une échelle, moi j'en ai rien à foutre de l'échelle. Allez, j'espère que je suis pas en train de me faire pirater parce que là je peux te dire que j'ai les boules. Ouais. Ah, d'accord. Une caméra là, je le sais. Et une caméra là-dedans. Voilà, comme ça j'ai une planque, j'ai ça, je peux faire. Bon, je suis à côté donc je vais pas téléporter, ça sert à rien. Attends, si tu vois, s'il me reste qu'une. Il va me rester celle qui doit être vers. Ouf, oulala, j'ai cru que je mourrais. Oh, elle est bien cette voiture. Bon, je pirate 50 000 comptes, mais je vais jamais retirer. Canalisation. J'aurais dû la prendre la bagnole. Ça en fait un bruit, c'est... Ah mais d'accord, c'est... Ah ouais. Ici l'opérateur Bloom, indiquez votre statut. Vous allez par le 3. Vous êtes en relation avec l'opérateur Bloom. Allô? Il y a quelqu'un? Hé hey. Oh, c'est quoi ça? Passe par derrière, tu verras. Oh. Comme je te l'ai dit, j'ai amené des potes. Oh merde. Je croyais que tu parlais des explosifs. Ah non, non, j'aurais dit les filles. Mais j'en ai aussi. Bon, j'ai besoin d'aide. Faudrait trouver un moyen d'impliquer ces gars dans une sorte de fusillade entre gangs. Ça m'enlèverait vraiment une épine du pied et... Et puis tu me dois bien ça. Je te dois rien du tout. Bon, allez, passe-moi des explosifs. Quelque chose de pratique. D'accord. Ces deux sacs à foutre, c'est les restes d'un contrat gabonais. Si tu savais comment ils comptaient me buter. Je suis au volant d'un putain de tank, une grosse cylindrée des 70s. Tu sais, du temps où un accident de la route, c'était une putain de boucherie. Dépêche. Bref. Ces deux guignols décident de me rentrer dedans. Avec une chiotte écolo à la carrosserie tout en plastique. Et là, j'entends une sorte de ping et je les vois percuter une camionnette. Tiens-moi ça, tu vois? Génial. Merci. Ça, c'est pour toi. C'est une bombe adhésive. Regarde. Ça colle. Cool, hein? Bref, ces deux connards sont là à compter leurs dents. Et je sais pas si je dois marrer ou leur gueuler dessus tellement ils ont l'air pathétiques. Alors finalement, je sors mon 45 et je les transforme en passoire. Voilà, tu sais tout. Bon, tu veux bien t'en occuper? Non, pas question. Ou alors on fait ça? Comme ça? Ouais, ce sera une sorte de... d'entraînement. Eh les gars, vous en dites quoi? Jordi. Parfait, j'arrive. J'ai pas besoin de m'entraîner. Attends, je m'éloigne un peu. Jordi!
Ouais, normalement, c'est ici qu'on apprend à utiliser les bombes collantes, mais bon. Hop. Voilà, bref. Voilà, parfait. Ah bah nickel, c'est juste à côté. Allez, bon, on y va, c'est parti. Y a-t-il quelque chose pour conduire ici? Oui. C'est vraiment n'importe quoi. Wow. Il y a comme eu une explosion. Hop. Ah, dégage, dégage. Allez, attention, virage contrôlé. Ah, c'était pas l'effet voulu, ça. Ah oui, d'accord. Hop, blessé. Non. Là, tu l'es par terre, il agonise et j'ai même pas blessé un civil. La briqueterie Siena. C'est là que les hommes d'Irak veulent descendre au bug. Sauf que ça compliquerait mon plan. Ok. Je vais leur tendre une embuscade et me débarrasser d'eux. Irak le saura, la réputation de Bedbug va monter. Et là, il sera à moi. C'est abandonné. Mais il doit rester des caméras de sécurité. Ouais. Alors, on va voir. Ah mais je sais où c'est, je crois que c'est, ça doit être à l'étage, il doit y avoir un endroit où on peut monter. Irak, il a séparé les Viceroy en deux groupes. Nous, on fait le taf sur le terrain, et on a que deux moyens de s'en sortir. En cercueil, ou en zonzon. Mais les gars de l'étage du haut, eux ils ont les moyens de se barrer. C'est eux qui tiennent la caisse, les bâtards. C'est eux qui gardent toutes les thunes. Attends, ramène. Ça c'est quoi ça? Ça serait bien qu'il y avait un ordinateur de ce côté là. Birs, tu t'es pas fait sauter la tronche? Pas encore. J'essaie de savoir où ces types vont se retrouver pour pouvoir leur faire une petite surprise. Oh, des pièges, c'est bon ça. D'autres traces. On dirait que les voitures viennent des deux côtés. Ah, ça a enlevé ma voiture. Des traces de pneus. Quelqu'un se gare régulièrement ici. Voilà. Oh, allez, pourquoi pas. J'irai les récupérer au pire. Le reste, je tue tout à la main. J'assassine tout le monde. Pour assassiner tout le monde, on va pas se mettre là, on va se mettre là. Ouais, et ben j'ai encore du temps, on va en profiter. Ta 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 ta. Un petit peu de brouillage. Ça, je m'en fous, et le blackout, je le garde. Voilà. Et je vais garder ça pour l'instant. On recharge les armes, le faire exploser, je le laisse là. Et aussi les petits bidons là. Parfait, il n'y a plus qu'à attendre les bonhommes.
tellement bon que j'ai déjà fini. Allez, oui. C'est ça, venez, je vous attends. Ah, mais c'est bon, j'ai déjà trouvé mon poste d'observation stratégique, là, oui. Allez, allez, oh oui, ah, ils arrivent là-bas. Comment ça, snipe? Je me suis gouré d'armes. Là. Allez, tu t'éloignes. Passe pas là. Voilà. Peuvent pas venir te répondre là. Ils sont morts. De quoi? Hé hey, y'a encore un mec debout? Y'a quelqu'un? Allez, merde! Si je le laisse s'enfuir, il dira tout à Irak. Et Bedbug finira par se faire tuer. Heureusement, y'a la petite moto ici. C'est parti. Le problème d'intercepter un mec en moto, c'est que c'est pas facile. J'ai eu la chance, il est gentil de jouer avec moi là. Allez à l'endroit où se trouve Bedbug. Il se trouve où ce pont? Oh d'accord. Ah merde. Juste un truc, il reste combien de temps là? Oh allez j'ai le temps. Attention, virage. Ah bien ces motos là, ça va vite. Je suis trop fort. Oups, pardon. Excusez-moi, madame.
Ben Bug la réputation dont il rêvait. Ben Bug était juste ici. Oh putain, s'il me prend faire le trajet, bah vous savez quoi, je le prends en off. Hein. Non, ça va, ils sont gentils. Ah, j'ai pas voulu me baisser, ben bien fait pour ma gueule. Bon, au pire, on verra ça dans un prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et là, on va taquiner Ben Bug. Allez, bises et à la prochaine.